Aujourd'hui, on suit des pêcheurs qui vont aller voir leur parc. Le parc à poissons, c'est un principe de nasse en fait, aux abords de la passe. Voilà. Donc, je suis curieux de voir ce système-là. On a vu le système des aimants pour repousser les requins à l'entrée du parc, ce qui est une bonne chose. Ça, c'est une idée d'un scientifique du CRIOB, Eric Lua. Et ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, il l'utilise, c'est que ça fonctionne. Et ça pourrait vraiment sauver la vie de tous ces requins qui se font prendre dans les parcs, malheureusement. Ben, en fait, c'est deux blocs, hein, tout simplement. Hein, c'est deux aimants que tu... Voilà. Donc, tu as le grillage qui est là et tu les colles comme ça. Voilà. Ça marche bien, sauf pour les requins dormeurs. Et les requins dormeurs, ils font mais pas comme de dégâts. Ils font pas, ils embêtent pas trop. Oh, t'as vu, du coup, ben, on les retire comme ça. Ouais, c'est facile. Même les pointes noires. Hein. Les pointes noires, les aimants, ça marche pas? Non, que sur les gris. Que sur les gris. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu tourner autour le grand marteau ou le tigre ou qui attendent peut-être un... Presque tout le temps. Presque tout le temps? Ouais, marteau, tigre. Tigre. Hein. Et il faut qu'il y ait quoi plus exactement? Quand... on l'a pas vu là. C'est quand il y a plein de pointes noires. Du coup, après, des fois, on est obligé de sortir au harpon. Ouais. C'est quand on balance les pointes noires dehors. Mais c'est quand même une technique de pêche très efficace. Et même le propriétaire du parc avec qui on était, il le dit, même trop efficace. Lui, il serait pour arrêter toute forme de pêche dans la passe pendant 5 ans. Faire ce qu'ils appellent le raoui. C'est une tradition au final polynésienne, d'une sorte de mise en réserve, ou du moins d'une mise en jachère pendant une période. Lui, il propose de faire raoui pendant 5 ans. Mais il veut qu'il n'y ait plus personne qui pêche du tout, c'est-à-dire même les chasseurs, même les pêcheurs à la ligne, et les parcs évidemment, qui sont sans doute ceux qui prennent le plus de poissons et donc qui ont le plus gros impact sur la passe. À bientôt !